Eh bien, nous saluons tout le monde, nous saluons tout le monde. Gros merci. Bonjour. Bonsoir. Jean-Bert Philippe, depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Nous attendons tout le monde qui est monté. On dérape. Eh bien, nous saluons tout le monde. Merci. Jean-Bert Philippe, nous saluons encore depuis la capitale fédérale américaine dans Washington DC. Jeudi, 29 juin, c'est fête Saint-Pierre. Donc, tout le monde qui a célébré Saint-Pierre, quelque chose à côté de nous, je vous salue, je vous promets, je dis bonne fête Saint-Pierre, quelque chose à côté au courrier, en Haïti ou dans le monde, que vous avez célébré Saint-Pierre. Donc, ça veut dire, soit en Italie, et Basilique Saint-Pierre là, qui font une grosse célébration dans l'occasion. Ça, et puis, soit en Haïti, parce que sur n'importe quel point, dans Pétionville, c'était une grosse célébration tour dans Pétionville, une occasion fête Saint-Pierre. On était là avec une internationale. En tout cas, et responsable ou bien encore leader groupe mercenaire ou bien groupe mercenaire, et Wisla Wagner là, et bien M. Touvel effectivement dans Biélorussie. Depuis que le président Lukashenko a confirmé le président M. dans un an. Mais tout est avec une série de difficultés. Le président Ousla va dire que nous devons reprendre le contrôle de la situation. Il était voyé une série d'émissaires dans Mali, il était voyé une série d'émissaires pour la Syrie pour dire que le groupe Wagner va faire un sans que lui-même n'y parle. Donc, il faut une petite solidarité. Donc, il voulait montrer en sorte que il voulait reprendre le contrôle de la situation. Vous pouvez Wagner a dernièrement été menacé pour être entre Moscou, avant Moscou, et dans le Kremlin même. Mais pour quelque soit raison, vous avez décidé de casser le chemin, de casser la tête tournée. Après, dans ce qui semble, on s'est d'entente. Mais après, le monde dit tout que le groupe Wagner a une présence de plusieurs côtés. Plusieurs côtés, que ce soit en Afrique, que ce soit en Amérique centrale, là, que ce soit en Europe, particulièrement en Ukraine, côté de la bataille et tout. Donc, il y a un pile de soldats. Et il y a aussi une sorte de force qui côté que par exemple qui a aidé à exploiter et mine ou bien encore et que ce soit ces l'or, que ce soit ces diamants, vous voyez bah, là aussi, donc son groupe qui tellement fait parler de lui. Et que mais tout le monde a regardé ça qui a passé, qu'on est entre là aussi. Et parce que le président Poutine avec même il dit que le président Poutine pensait franchir une étape pour montrer justement que lui voulait le contrôle. Situation qui semblait récemment théorique aller au pas sous contrôle. Ça c'est situation et puis bon et Ukraine a bataille toujours pour essayer de reprendre les territoires qu'elle perd du Namela aussi que la Russie prend en main depuis la guerre a commencé. Donc le président Volodymyr Zelensky continue à multiplier des marches surtout avec la communauté internationale là que peut-être qu'elle a demandé assistance pour aider le combattre, pour reprendre le contrôle du territoire par lui, malgré de temps en temps font un zorboy, il dit bah, monsieur, on zorboy, il dit qu'on partit en territoire, mais jusqu'à présent, ce n'est pas comme ça que nous sommes. Actuellement, nous parlons dans le pays d'Haïti, côté expert indépendant, Nations Unies, et monsieur William O'Neill, monsieur passé plus qu'une semaine en Haïti, côté de la visite des situations. Droits humains en Haïti, et bien l'idée sont pas de son sur situation côté déploré, conditions prisonniers, mauvaises conditions à vivre, et manger, tout le bail ça, et puis situation générale, il m'a dit que il y a plus de choses pour faire, et il parle de nécessité, il faut avoir une sorte de force qui peut renforcer la police nationale là. Sous situation, mais il dit c'est situation prison surtout. Et donc, conditions droits de l'homme en Haïti, il dit vraiment ça. Mais il dit que lui-même, il allait retourner dans New York et bien, il va frapper tout le possible, tout côté possible pour voir s'il a fait quelques demandes pour une mesure qui a aidé Haïti à résoudre la crise politique. Et puis, les acteurs politiques nous rappelons qu'ils ont participé dans un rencontre et Jamaïque là. Sur la crise là, et bien monsieur Gele, il a recommencé encore l'autre démarche encore. Puis, ouais, et dans qui mesure qu'il a résolu la crise là, mais après qu'il y a un gardien ou bien encore côté qui a été bloqué, c'est une demande.
par exemple, et groupe qui est le groupe opposition, qui n'est pas vraiment opposition, mais qui est le groupe qui est en face au pouvoir, et Premier ministre Henri, mais ils ont même quoi que ils ont ouvert pour un gouvernement à deux têtes, un gouvernement avec une commission qui capte un commission ou bien encore HTC, HTC c'est la commission de transition qui vient pour avec plus de membres, qui vient pour 7 membres là-dedans, mais c'est une commission présidentielle pour lui-même et qui pour venir contrebalancer pour voir en place ça. Et pour voir en place ça lui-même, on s'en supporte lieu. Donc on parle de Premier ministre Henri, supporter Montessien à COP21 décembre, ben lui-même, il n'est pratiquement pas d'accord. Et il ouvre pour le Premier ministre. Fait toute étape que le de faire, franchir tout le bail, mais aller avec un gouvernement et à qui en tête, avec un premier ministre comme chef, et pour organiser les élections. Et mais en parlant des élections, il y a des efforts qu'a fait pour que le gouvernement mette sous pied pas trop longtemps, selon ce qu'a dit, pour mettre sous pied pour bail HTCA, une liste de monde potentiel candidat pour conseil électoral provisoire et devient par démission pour publier un calendrier électoral, fixer les dates d'élection, etc. Donc c'est là pratiquement que le gouvernement peut aller, mais il y a des gens qui disent que tout, experts dans le domaine, dans le sujet de la sécurité, ils disent que les conditions pour gagner les élections déroulées en Haïti, les conditions ne sont pas réunies, vu que la situation climat et sécurité, le conseil de travail qui n'est pas réuni pour gagner une élection, mais il y a l'autre secteur qui a même dit, voulez parler. Il faut que vous ayez l'élection par le Premier ministre, il voulait mettre le pouvoir par un gouvernement élu. Donc au moins, vous voulez pour une élection pour mettre des institutions en place. Et si vous avez le Parlement, par exemple, qui est important, vous voulez pour que le Parlement va et pour un président élu. Donc, au lieu que nous avons un pouvoir qui est un pouvoir de transition jusqu'à présent, et personne n'a pas une date, pas une date fixée pour dire qu'il est et le pouvoir ça fini. Non, l'autre point, donc, nous avons ça, et puis nous avons tout. Et non, l'autre grand point, c'est abdominal actualité à tout. C'est la situation sécuritaire. Monsieur Negame continue à opérer dans la zone, dans la sortie sud, mais sortie nord, capitale là. Dans les zones, la police continue à mener opération contre mon identifié comme bandit qui de temps en temps est dans les faveurs avec la police, eh bien, son dossier qu'il a été dans le super cour cassation, ou bien cour tribunal administratif et haïtien, sont marqués 200 ans anniversaire. Donc, c'est des cours cérémonies qui déroulées, non seulement dans la capitale, mais tout dans l'autre pays qui est marqué 200 ans, ça, mais qui ne sait pas 200 ans, parce que le calcul est au bon institution qui l'a depuis tout le temps, ça, depuis tout le temps, ça, et duré. Et responsable de parler de nécessité pour expliquer le travail et mission et la Cour des comptes et du contentieux administratif. Donc 200 ans, ce n'est pas 200 jours, mes amis, c'est gros bagaille. Et puis, on s'est actuellement des sous après la Coupe de CONCACAF, mes amis. Et c'est que c'est motivé et pour rendre compte que la joué à soi même contre le Mexique. Ça, son match qui est d'importance ni pour Haïti ni pour Mexique. Et tout l'autre équipe qui est dans le groupe plateau, qui peut éliminer, on a parlé de Honduras avec Honduras avec Qatar. Deux équipes qui ont beaucoup éliminé tout, même l'air que les deux étaient perdus pour les matchs. Mais je ne vais pas nous fixer sur le match Mexique là. Et du Kinsin Azon, dans la déclaration qu'il a fait dans la presse, il me dit qu'il est content que le fait qu'il marque 28 goals déjà dans la sélection. Et l'objectif de Kounia, c'est qu'il y a une mesure capable de dépasser l'ancien vedette football haïtien Emmanuel Sanon. C'est le cas de dépasser. Donc c'est l'objectif que la mission, mais nous connaissons que. Il y a un défi devant le tour pour lever. Mais en principe, je veux dire, je dis à Yapral. Jouer corps et âme. Erdogan, il y a pas de la victoire dans la bataille pour au moins sur ta rachon machine en Mexique. À défaut, une victoire sur la bataille de victoire, au moins rachon machine. Mexique, tout rappelez, nous, mes amis, pas venir faire cadeau tout. Et Mexique, besoin de victoire tout pour qualifier pour le deuxième tour là et pour le cadeau final. Tout comme toi, Haïti, besoin de victoire pour qualifier pour le deuxième tour.
Mais quelle que soit la figure qui arrive dans le résultat match à soir, match dimanche a toujours une importance. Si c'est le cas contre la Cali, qui a le résultat par aller dans la direction de la sélection nationale haïtienne, eh bien, match dimanche, c'est pas un match mort ou vif, quel que soit le résultat match qui gagne, et le résultat match qui a gagné entre Qatar avec Honduras, parce que Haïti, ça a toujours gagné 3 points. Donc, si Honduras a pas une victoire, donc deux équipes ont gagné 3 points, donc on va comprendre qui est important, ce que le match Haïti et on dit à ça, parler pour Haïtiens qui parlent vraiment la guerre dans la bataille. Donc jusqu'à présent, rien ne va jouer et nous ne pouvons pas jamais prédire rien, nous dit rien que la sélection nationale est qualifiée. C'est l'espoir, dans l'équipe nationale là, c'est l'espoir, ils sont motivés pour ça et ils sont conscients de la nécessité qu'ils ont besoin de victoire à ce jour. Et ils ont besoin de faire que les Haïtiens content. Il y a besoin de faire, tant que vous en avez dit non, il y a besoin que les Haïtiens oublient ce qui est passé en 2019 là. Et tant que ce qui est passé en 2019, c'était face à Mexique, donc il y a oublié de faire oublier, et là, ça a été perdu en semi-finale devant Mexique. Sauf parce que Grenade n'a pas oublié, et dans la zone lui-même qui n'a pas oublié, donc il y a oublié de s'oublier, mais à condition qu'il y ait une victoire. Même si c'est un combat facile, l'un des gardiens qui peut se faire, qui est même tout, après, par un peu qu'on a tout fourni pour sélection nationale en Haïti. Matri était joué hier, et un peu qu'on a décidé de tourner dans le groupe A, côté États-Unis, danser, bien danser, tout plaisir, équipe Saint-Christian Davis là, que le calé 6 à 0. Mes amis Saint-Christian Davis, c'est bon gros pays, il y a deux îles qui mettent ensemble dans le pays. Il va remplir le monde là, à peu près 50 000 monde éventuellement, d'après ça tire bas. Mais on s'en tient à ce football parce qu'il n'y a pas mis les grands dans la phase de cabine jouer là, dans la phase finale, coupe de CONCACAF. Mais malheureusement pour l'équipe là a perdu deux premiers matchs, elle a perdu d'abord face à l'équipe Trinidad et Tobago, qui est même arrivé là grâce à avec forfait. Nicaragua fait, puisque la fédération de CONCACAF mettait Nicaragua dehors dans le groupe là, parce que même était allié un joueur, et pendant 8 rencontres, il n'y a pas de bail, donc il a radié l'équipe là, et puis il a descendu dans la deuxième division, donc dans le groupe B, et Ligue CONCACAF là. Donc Trinidad s'est mieux placé, mais Trinidad monté, et c'est Trinidad qui a remplacé l'équipe Nicaragua. Donc son belle rencontre quand même. Mais Trinidad est calé, l'équipe Saint-Christian Nevis là, et ils sont encore Saint-Christian Nevis perdu devant les États-Unis. Donc, pratiquement, l'équipe Saint-Christian Nevis là est éliminée de toute tendance que tu as gagné. Mais Trinidad n'a pas perdu, pas éliminé net. États-Unis calé, États-Unis gagne 3 points, et l'équipe Jamaïque a calé Trinidad 4 à 1. Donc, États-Unis calé, Saint-Christian Nevis 6 à 0. États-Unis calé énorme. Jamaïque lui-même calé équipe Trinidad 4 à 1. Donc ça veut dire que à égalité nous jouons États-Unis avec Jamaïque de chaque 4 points. Mais rien pour qu'on décide pour ni première place ni deuxième place, ça va dépendre de pour résultat prochain rencontre là qui va jouer cap jeu pratiquement dimanche parce que dimanche il y a équipe américaine là. Son match qui est présent pour lui, l'équipe américaine pour rencontrer l'équipe Trinidad là, et match ça a joué dans Charlotte, en Caroline du Nord, même côté que Haïti lui-même tout, a rencontré avec Haïti a rencontré avec sélection Honduras. Donc c'est deux matchs importants. États-Unis a besoin de victoire pour traverser dans le quart de finale, et quel que soit le résultat, Haïti a besoin de victoire tout. Face à l'équipe Honduras pour traverser dans le prochain tour là tout pour traverser dans le quart de finale. Donc jusqu'à présent, personne ne peut battre les sommes que en un du tout pour dire que qualifié jusqu'à présent. Même après deux journées, et n'attend pour nous ça va passer dans l'autre jour. Mais pour qu'on y ait là dans le groupe A et groupe B, bon, comme Haïti, groupe B a déjà joué deux matchs, groupe A joué deux matchs, et groupe B a joué un seul match, il y a gagné un match à soir, au moins. À partir de ça, on a bon, il y a plus ou moins qu'un ça, mais pour groupe A, côté groupe américain, on a pas décidé de voir un petit côté, pour qu'on qualifie, qui est en meilleure position, tant que Jamaïque avec les États-Unis, il y a une meilleure position, avec le prochain rencontre, gagne Jamaïque a rencontré avec Saint-Christian et Nevis, qui va être difficile pour l'équipe jamaïcaine. Et puis, les États-Unis qui ont rencontré avec Trinidad, sous papier, les États-Unis, ta favori, mais pour l'équipe Trinidad, on ne peut pas gagner les gains, on ne peut pas gagner les gains.
jusqu'à présent, c'est gros bataille. Eh bien, mes amis, moi, c'est nous, Kaila, je dis à nous, grand pile de monde dans Kaila, je dis à nous, nous ne pouvons pas comprendre. Nous, on est allés avec nous, là, oui, allés avec nous, depuis tout sur un an. Je dis à nous, il y a deux autres visiteurs, je dis à nous, il y a Fred qui prend visiteur, c'est mon ami Fred de New Jersey, et M. Washington, et puis il y a eu, Altidor, nous, on est là avec nous, tout dans ce Gary. Bienvenue, donc, monsieur vient avec nous, monsieur avec nous pour. Nous ne connaissons pas, monsieur, il était pour toutes les semaines. Mais en principe, pour aujourd'hui, il est là avec nous. Donc, monsieur, monsieur, bienvenue à Washington et bienvenue à tous ces gens-là. Et on ne va pas dire ce qu'on a fait pour accueillir les visiteurs de Maxa. Là, mais après ça, ça nous dit pour l'actualité sur le plan local. C'est surtout Jean Saïe, pour la question de sécurité, question de rencontre. Rencontre que acteurs politiques pour faire encore pour continuer le processus de dialogue pour essayer de déboucher sur une entente. Je nous entends avec le gouvernement pour essayer de au moins déboucher, résoudre la crise là. Et puis actualité sur le plan international. Donc en États-Unis, c'est pas le grand fait là le 4 novembre, c'est pas le 4 juillet, c'est pas fait, c'est pas l'indépendance des États-Unis. Donc dans mon occasion ça, dans pile mon capoager et capral ou famille, amis. Donc c'est période voyage. Donc voyage pratiquement conseil de Bijoudia. Et cela, voyage, et tout comme dans l'avion tout, donc tout le monde a voyagé, donc tout le monde qui ambiance qui vient ici. Donc mon voyage. Donc les valeurs de pour parler pour nous, qui disent Américains pour ces fêtes-là, et qui disent Américains même, ils ont marqué 4 juillet, ils ont marqué 4 juillet. Sous côté là, ils ont molle. Ça a été un gros terrain vide. Mais c'est là que, en général, les 4 juillet américains sont venus, et là, ils sont pour un concert dans le Congrès. Et après le concert, là, ils sont feu d'artifice qui continue soirée ça. Et qui c'est encore pour me dire non? Et bien, voilà. Et il faut qu'ils fassent pour jouer un morceau. Non, et appareil ou bien encore et appareil sous-marin qui était descendu dans qui t'a visité épave en fait qui était implosé qui t'a parlé épave sous-marin là t'es épave et Titanic là qui 5 monde t'es 5 monde à bord et officiellement 5 monde t'a mouru donc qu'on y a autorité américaine faire recherche je viens on dit pour morceau et bien pour l'analyser pour voir etc. qu'on y a à chercher qu'on est mystère qui s'acte cause à part la tempo de ça et en bas de l'eau pendant un moment que tu descends pour la mener mon visiter et épave Titanic. Donc il a été mené dans Newfoundland au Canada avec mon soir début ça de junior pour commencer à mettre par aller dans le laboratoire avec eux pour l'analyser et certainement chercher comprendre exactement et ça qui est passé, et peut-être éviter qu'à l'avenir, même par ça, les paris. Et puis, tous les journalistes, les correspondants, mais tout à travers, quel que soit côté, il y a pour des nouvelles pour nous après-midi. Et je dis encore, c'est Valérie qui a présenté nous, édition radio télévision. Moi-même, je ne vais pas parler d'immigration. Alors, vous avez mieux qu'immigration, depuis mercredi 28 juin, eh bien, et CBP, c'est agence la douane avec côté de ce frontalier là, eh bien, ils ont commencé à accepter que les immigrants viennent demander asile dans la ville Laredo. Parce que ils ont été fermés, le service la douane a été fermé, là, et pour Laredo, côté de mon patron qui demandait asile, ça a pu se passer 2 semaines. La raison était faite là parce que tu es venu apprendre des gens mauvais, j'ai eu des malfaiteurs. Mais monsieur a tapé et kidnappé, ils ont kidnappé les immigrants, et cassé, tordu, mais ils ont pris l'argent, fait payer jusqu'à $500 pour permettre de traverser pour y aller à nos rendez-vous que vous avez. Donc les autorités américaines sont venues au courant de bailler ça parce que le groupe d'oiseaux humains ou bien le groupe de défense des immigrants ont été dénoncés. Et bien, autorité américaine était fermée et demande asile là. Donc, mon pas capable, pendant 2 semaines, mon pas capable de demander asile dans Port Laredo. Et bien, depuis mercredi 28, et bien, l'agence et la douane avec les protections frontalières, et bien, ils ont commencé à recevoir
monde comme ça se voit immigrant qui cap demander et gagne là même depuis hier là gagne gagne monde qui t'a venu même si pas de rendez-vous que t'es capable demander asile quand même mais kounia est capable toujours aller dans application CBP One là et prendre rendez-vous pour aller dans Port Laredo alors une porte qui d'ouvrir c'est 8 portes qui l'ouvre pour accepter de demander immigration donc pour aller l'ouvrir kounia n'est pas fait pendant longtemps et monde qui pas de cal dans Port Laredo et ça est dans la zone Matamoros qui est dans le port qui en face de la ville américaine McAllen, qui est dans Texas. Donc en face de McAllen, Texas, il y a Matamoros. Donc nous avons aussi qu'on allait, qu'on a eu étendu, mais nous avons allé un petit peu beaucoup plus loin. Donc pour là, il doit faire demande d'asile. Donc c'est des dossiers, ça, m'a gagné pour me parler avec nous et puis autorité américaine. Et surtout, ils ont arrêté, le service américain a arrêté 4 personnes. 4 citoyens mexicains pratiquement qui ont été pour eux avec accident qui a fait dans la tête. Il y a 53 immigrants qui ont fait mal d'entre eux et qui ont été environ 11 ans, 11 étaient blessés, 53 ont été morts. Et puis finalement, un an plus tard, l'autorité a mis sur 4 personnes qui ont été responsables et accident ça a été la cause de la mort. Et 53 personnes parmi les plus forts immigrants qui sont sortis dans la zone Amérique centrale. Et ok, je vous salue, je vous remercie en pile. Comme d'habitude, n'a pas demain. Mais restez branchés sur nous encore, pour nous répéter encore. Dans le journal Radio sur Télévision, que Valérie Saint-Louis a venu présenter nous et a présenté nous avant midi. Bonsoir tout le monde, salut tout le monde. Il y a un temps au retard, je dis à Mine, j'ai un bonheur, mais pas que je dis à Mine, puis bonheur, mais. D'ailleurs, quand même. Bye bye tout le monde. N'a pas allé. Bye bye. Bonne fin de journée.